déjà. Ouais. On a fait deux recherches. Ouais. Il y a assez d'usines, quoi. J'ai pas regardé ce que vous avez fait, du coup. Alors, ouais, ah oui, ok. Et tout ça en niveau 2 en plus. Ah oui, d'accord. Et en... mais bien sûr. Mais bien sûr. Non mais encore, là, la première vue, je peux peut-être tomber... Ah, je suis pas sûr. Il n'y avait que 3. Tu les sépares pas, Vold, faire deux colonnes. Bon, oh, c'est pour la prochaine. Pour toi, la prochaine, il y a de la place. Non, elle est verte. Alors, du coup, on a débloqué quoi? Le four. Le four. Il faut des briques. J'ai pas de briques. Ouais. Vitesse de fabrication 2 et l'autre c'est... Ah, par contre, on va doubler avec le four. On passe de 1 à 2. Et on double la pollution aussi. Bon, ça, c'est... Ok. Ah tiens, il faut en déplacer une. Ah, ils font la même taille. Ah bon? Ok, nickel. Je crois. Ah, peut-être pas, non. Il fait peut-être un bloc de plus. J'ai du mal à me rendre compte. Y a-t-il place dans une pour moi? Sinon, je pense pas, hein, sinon tu pourrais pas la placer. Ouais, c'est l'air pareil. Ça fait la même taille. C'est juste le visuel qui est plus large, mais pour le jeu, c'est la même. Ah, ça remplace en plus. Hop, oh, c'est abusé ça. Ah bah oui. Oh, ah ouais, bon, on a fait ça avec les autres là. Ah oui, ok. Oh bah c'est pratique hein. Ah oui, oui, c'est... Est-ce que, du coup on a peut-être pas besoin d'autant de fours maintenant. Oui, ah c'est... peut-être. Oui, c'est... On double techniquement. Faut juste lever les foreuses V2 quoi, c'est tout. Oh. Ça existe? Ah, on les a déjà les foreuses thermiques, c'est quoi ça? Ah non. Ouais, mais si, thermique V2. Non, c'est les manuels. Électrique. Les manuels, c'est les toutes premières, les thermiques. Ah. Et nous, on a les électriques. Ouais. Oh, les mais comme disait Vold, il y a des modules à l'intérieur. Donc ça se trouve, on peut pas les améliorer, celles-ci. Enfin, je veux dire, ce serait pas un niveau 2, mais ce sera par des modules. C'est ah, du coup, ça a débloqué le module dans les labos ou pas? Non, le module, il est bien plus loin. Je sais pas où je l'ai vu. Parce que j'ai débloqué un truc de productivité là. Bah non, ça doit être général. C'est général. C'est où que je l'avais vu? Il est, tu vois, dans la liste des technologies, troisième ligne, le premier. Je suis perdu là. Liste des technologies, c'est où ça? En fait, c'est là, à gauche, t'as toute la liste complète dans l'ordre de ce qu'on pourrait faire, par exemple. Et la troisième ligne, moi, c'est le module de vitesse en premier. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et quand tu cliques dessus, par contre, là tu vois l'arbre et tu vois qu'on en est encore loin. On arrête pétrole. La révolution du pétrole avant. Oh, le pétrole. Le plastique, l'électronique. Oui. Tout de suite. Ah ouais, d'accord. C'est quoi la logique 2? Ça fait quoi? Bah, on a même pas fait plus... Ah, ça va plus vite, non? Les tapis, peut-être. Ouais, plus rapide et flexible. Donc, flexible, c'est pas très explicite. Peut-être que les tunnels vont plus loin, je sais pas. Et bah tu peux regarder, ça fait combien pour l'instant? Quand tu mets ta flèche sur le... Ça fait... je sais pas... Longueur maximum. Ah, ah. Okay, je vais le faire... oui, ça va deux blocs de plus, du coup. Ils sont côte à côte, je peux le faire. Ça va de 5 à 7. Et en vitesse, ça va de 15 à 30. On double la vitesse de déplacement des objets. Et un peu plus loin pour le souterrain. Elle est fourrée, ils polluent beaucoup plus. Hein. Deux fois plus, tu vas regarder. Deux fois plus de production, deux fois plus. Par contre, c'est équivalent. On aura plus d'attaque. Du coup, consommation électrique, on m'a dit qu'il fallait que j'augmente le... Je reviens. Le plan, ça marche comment? Si je clique là-dessus... Ok... Pour le tuyau, j'ai pas bien adapté.
Mais va vite, tu vois. Science militaire. Du coup, en énergie... Ah, j'ai passé ce... j'ai pas ce qu'il faut. Ah oui, non, c'est ça en plus. On cherche tellement vite, on a même pas le temps d'appliquer les trucs. Ouais, ça va vite, hein. Mais bon, de toute façon, on va se calmer bientôt parce que... va falloir refaire des fioles. C'est quoi ça du coup, convoyeur? Ouais, d'accord. Hop. Temps de fabrication, d'accord. Et la vitesse? Ah oui, deux fois plus rapide. Ah ouais. Oui, oui. Ah ouais, et ça demande quoi? Un convoyeur? Ah, faudrait une usine peut-être. On a une usine à convoyeur, non? Ouais, mais on les utilise pour les fioles. On va voir si... le réutiliser pour autre chose. Engrenage. Hop. Et il me faut des plaques en fer. The Factory Master Gros, tous les cris de pion, on ça. Ah non, tout de suite. Ok. Deuxième usine à convoyeur. Oui. On va dupliquer à chaque fois. Hein. C'est vrai que la toute première ressource va être... on va devoir énormément la produire au bout d'un moment. Ouais. Ouais. La seule différence justement avec Satisfactory, c'est que par contre les minerais sont pas limités. Ouais. La gestion, ouais, c'est clair. Un petit peu différent. Satisfactory, c'est un peu ce qui est facile sur le jeu, quoi. Mm. Une fois que c'est fabriqué, une fois que c'est optimisé, bah t'as plus besoin d'y toucher. C'est ça. Mais là, en fait, tu vas plus faire dans le sens où tu vas créer ton schéma, dès qu'il sera optimisé, tu vas juste en reproduire un peu partout. Oui. Et petit à petit, on va devoir aller chercher de plus en plus loin nos ressources. Il est lent celui-là. Ok. Vous ne pouvez pas connecter des systèmes avec des fluides différents? Pardon? Comment ça? Oui, mais tu peux faire une usine de production de plaques et aller chercher le minerai loin. Oui, bah oui, oui. Et ça tombe bien, il y a les trains. On a vu dans le... Par contre, pourquoi il me dit que je peux pas... Comment ça? Je peux le faire après? Hein? C'est encore plus con. Ah oui, là c'est très con par contre. Bon, je vais peut-être faire une coupure d'électricité, hein. Je m'en excuse par avance. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ah merde, je me suis bloqué. Tout ça. Voilà. Ok, quand ça marche pas, faut enlever et remettre. Voilà. D'accord. J'ai pas compris. Si au bout de ton générateur tu avais relié la sortie vapeur, bah non justement. La sortie vapeur n'allait que à droite. Donc à aucun moment il y avait une... Et aucun tuyau vapeur d'ailleurs, pour le coup.
pas qui me surprenait le plus, justement. Ah oui, je vais chercher. J'en ai besoin de combien? 1, 2, 3, 4. Dans le tuyau, tu viens de retirer. Ouais, c'était une entrée d'eau. Que je... Le gros tuyau que... Enfin, le petit de... Je pouvais pas le mettre, je le sens. Et ici, c'est une entrée d'eau. Je l'ai complètement retiré. Ici c'était un tuyau d'eau, il venait de d'ici, enterré ici, il ressortait là, et hop. Ici c'était une transo. Mais il était collé au générateur. Ouais, le jeu est terminé. Presque. Alors presque. Ah tu penses que ici, il s'est re-raccordé? Ouais, mais ça a dû bloquer depuis le début en fait. Ou c'était bloqué le remblai. Ah c'est déjà fini. Ouais, je suis pour. De toute façon, on va tous les débloquer. Du coup, faut que je cherche des. Oula, ça sera bien ça. Tu m'aides à faire un petite usine à convoyeur Vold. Ouais. On fait du convoyeur V2 là. Un, deux, trois. Mais c'est chiant à produire, donc il faut faire une usine, c'est ça? Bon, je pense, hein, parce qu'il faut un convoyeur plus des engrenages. On va se faire. Enfin, ça va être chiant si on doit les faire. Et je pense... Attends, j'ai pas regardé. Tiens, d'ailleurs ça peut... Non. Pour la science militaire, il faudra des munitions perforantes, des grenades et des murs. De droite, c'était une ancienne. Inexistante. Donc il faut deux fois grenage. Donc engrenage et plaque, au final. Mais il faut une grosse production d'engrenage. Ouais. Bah là, j'étais parti sur trois usines à engrenage. Je faisais ça là-haut. Techniquement, il faut... Et une plaque côté... et 6 engrenages. De l'autre côté, j'allais faire les plaques. Une plaque et 6 engrenages. Ouais, parce que t'as le premier convoyeur, c'est un engrenage et une plaque. Et une plaque et 6. 5 engrenages et un convoyeur. Donc ça fait 6 engrenages et une plaque. Donc il faut une grosse production d'engrenages. Une pompe, c'est ça ce pompe quoi? Ouais. On fait 3 comme ça. Pompe côtière et ça c'est une quoi de chaque côté. On part des plaques, c'est ça? Ça c'est les engrenages là. Ouais, on prend les plaques et on fait de l'engrenage. Ok. Là derrière. Alors tu sais que si tu fais clic droit sur une usine, après tu peux glisser et ça met sur les autres. Non, moi ça efface, moi je prends. Ah bah tu vois, ça a effacé. C'est con, hein. Ça va. Tac. Merde, j'ai ma place. Ouf. Ah, il y a des câbles verts. Il y a tellement de trucs qui ont été débloqués. Ouais, là, ça va vite, là. De toute façon, on finit les recherches rouges et vertes, là. On fait un petit point, je pense. Ouais. Et ensuite, on fera le noir plus tard. Parce que là, je vois qu'on va débloquer les chemins de fer. Hein. Ah. Automobile. On va débloquer ça, tiens, le béton, ça a l'air cool. Attends, je vais prendre des ressources. Moi. Donc là, c'est tout ça, c'est que des plaques. Donc des, Ah oui, on va. T'as dit 6 pour 1. Donc, on peut mettre une usine comme ça en bout de chaîne. Bah. Ah non, c'est lent à faire, ok. Tu veux faire comme ça? Pourquoi? Parce que là, en fait, ça partait au centre. Et ça repartait sur les côtés. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, si t'as raison. Si j'envoie des plaques plus simple. Là. Ouais, et ça part au centre.
Ah mais du coup celle-là elle est pas bonne. Le problème c'est que... Attends, je sais... Ok, oui. Parce que là dans l'idée je mettais les plaques au centre, ça répartissait dans les des deux côtés, et hop, là t'avais les engrenages qui arrivaient là. Ah oui, d'accord. Et ensuite qui partait dans la... dans les usines... Attends, c'est pour faire directement les convoyeurs. De toute façon, techniquement, même si celui-là recevait des engrenages et des plaques, l'usine d'au-dessus n'allait pas prendre les plaques. Donc un des côtés allait être saturé. C'est ce que je veux dire. J'aurais mis des plaques là, ça aurait fait un engrenage ici, et ça aurait mis la plaque là. Enfin, l'engrenage là, pardon. Ah, et ouais. Là, j'aurais mis des plaques là. Bon, c'est vraiment de l'optimisation. Genre, en fait, c'est des... si on faisait plusieurs lignes, si on se prenait pas la tête à tour... Ah oui. Mais attends. Ah oui, parce que... Ah oui, les engrenages, il les faut dans les deux recettes. Ouais, c'est pour ça. On va commencer recette 1, on va y aller étape par étape, je pense. Parce que, de toute façon, t'as deux recettes à faire. Ah ouais. Faut ramener des plaques pour faire les premiers convoyeurs, donc plaques et engrenages. Donc il faut faire des engrenages avec les plaques. Et une qui ramène juste les plaques. Les plaques. Et pour faire un engrenage, c'est deux plaques. Deux plaques égale un engrenage. Beaucoup de plaques. Parce que si au final il y a 6 plaques, 6 engrenages, ça fait 12 plaques, plus une, ça fait 13 plaques pour faire un convoyeur. Ça fait une... beaucoup de plaques. Ça fait. Bah là c'est marqué 11,5. Oui, 11,5. En fait, c'est que des plaques. Ouais. C'est une demi-plaque. Ouais, une demi-plaque. C'est la consommation de plaques par seconde, comme ça. Deux convoyeurs. Ah, c'est un fois deux. Ah, ça. Une recette, c'est deux convoyeurs, en fait. Une plaque et deux engrenages, et un engrenage donne deux convoyeurs. Oui, donc ça change tout en fait. Enfin, ça change tout. C'est un peu moins, non? Ouais, mais c'est... les engrenages, pourquoi c'est toujours 5. C'est toujours emmerdé. De toute façon, on fait simple. On fait une ligne. Là, ce sera les engrenages qui sortiront. À côté, on récupère des plaques. Hop. Non? Oui, non, bon. On fait la même chose de l'autre côté. Tac, tac. Et ça part plaque engrenage et ça part sur des usines à convoyeurs. Ah, il faut que j'attende tout ça. Ouais, on va faire ça. Si on fait deux lignes. Et cette ligne récupère. Et pas celle-là. Ça, ouais, ça récupère ça, c'est très bien. Ici, on repart sur des usines. Usine à convoyeur. Tu récupères un peu de plaques,
Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Oulô. On peut raccorder de l'eau aux machines d'assemblage. Ok. J'essaie de mettre un maximum de câblage, c'est mon objectif. Ah ouais, laisse tomber. Ouais, pour là, c'est que t'as, comme t'as collé les machines, du coup, ça a pas assez de portée pour faire les deux. Oui, tu peux pas mettre les grands. Les grands? Ah non. Bah, ça prend plus de place, je crois, non? Non, ça prend pas plus de place, mais... Attends, je teste. Mais même pas, en fait. Après, on peut écarter les machines, il y a de la place. Le sol en béton, ça nous permet de marcher plus vite. Donc ici, on a des plaques. Marcher plus vite. Au prix que ça coûte, je sais pas si... En fait, non, on va être emmerdé. Ça prend un carré de plus, mais on a toujours besoin d'un carré supplémentaire, en fait. Donc là, on a... Non, ça prend un... Les conteneurs, ouais, il nous manque... Ça. Ce que j'ai fait... Je refais. Ils en voient pas assez vite de toute façon. Ok. Ça sert à ça. Ok, j'imagine qu'on peut piloter après. Ah, on peut transporter le réseau électricité sur le même poteau. Mmh. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le réseau logique pour terminer le jeu, mais il permet beaucoup de choses amusantes et d'optimisation d'usine qui ne serait pas possible sans lui. Alors, j'y couille. Tu vois pas la drôlerie, là? Ah, ouais, je sens que je peux rire, mais rire. Hein? Tu peux te cultivationner, t'imagines? Ah ouais, laisse tomber. Je voulais ça, hein. Émetteur de amusez-vous, hein. Je l'ai pas fait, celui-là. Ah, j'aime pas m'amuser sans profiter à tout le monde. Ah si, je l'ai fait. Ah, tu l'as déjà fait? Quoi? Je sais pas quelle phrase t'as dit. J'ai une phrase avec vous, hein? Bah. Bold. Voilà, je préfère. Ouais, non, mais c'était un cran trop loin, ça faisait un truc fantôme, en fait. Ça faisait un pylône fantôme. Ah mon dieu, pourquoi il a mis un poteau au milieu? C'est à quoi lui? Si, c'est en lui là. Ah, c'est pour transporter les liquides. Oh. Ça marche, hein? De quoi? Cette usine. Et comment pour produire? Ah, mais pourquoi c'est des plaques? Ah, mais merde. Pas les plaques qu'il faut prendre. Merde. Oh. Ah, oh la poulette. Vol, mais faut fabriquer les moteurs. Oh, bah, c'est pas vrai. Terrible. Mon travail n'est pas très terrible. Un peu mieux faire. Hein. Alors que si tu rajoutes un truc logique, attends, je remets un. Juste pour plaisir. Tout ça pour ça. Ouais, on était depuis deux.
Oui, par contre, j'imagine que les fours après s'allument plus. Bah oui. On produit bien pas assez. Ah, vous avez remplacé tous les fours. Ouais, tous les fours de fer. Bon, autant te dire que bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui s'allument pas. Hein. Ouais. Mais on... Ah oui, il est fini, lui. Ouais, ah, je pense qu'il y en a trop, de toute façon. Il y en a un qui est arrêté, je vais l'avancer. Je l'ai supprimé d'ailleurs. Je vais supprimer ce qu'il y a au fond. Je te demande d'avancer celui-là que... Ça produit pas assez d'engrenage. Ah bon? Attends, on a trois usines. Ça c'est... Ça, c'était sûr. Bon, j'ai fait mon truc là, c'était là. Bah non, il était pas là. Il était là. J'ai merdé là. Tac, tac, et tac. Tu ne produis pas assez de fer à la minute. Bah oui, ça, oui. On essaie d'augmenter la pollution. On essaie d'augmenter la pollution. Ah, je pense que je l'ai pas mal diminué du coup. J'ai un nouveau conseil. Le câblage logique. Vas-y, quoi, c'est pour toi. J'ai produit plus en panneaux solaires que en machine à vapeur. Le jour. Le jour. Du coup, en termes de pollution, on va être pas mal. Voilà. Bah, qui c'est qui détruit les armes? Non. Un écologiste. Tu vois les pauvres forts d'engrenage qui sont bouffés. Ah mais c'est parce que... En fait les usines elles fonctionnent pas quasiment. Ah, ça ramasse pas assez de fer. Faudrait un deuxième bras du coup, ok. Ouais, on en ramène pas assez. Ah mais on remplace un deuxième bras. Tu peux pas remplacer en biais? Si si, t'inquiète. Ah oui, tu vas mettre deux... Non mais sinon on fait ça, Vold. On met ça, là. Oh. Et là, t'inquiète, ça va y aller. Hein. Regarde. Ah bah là, oui. Oh, là, ça va y aller fort. Mais non, il y a un trou. Ouais, le problème, c'est qu'on en prend peut-être trop, là. L'idée, c'était pas non plus de casser les objets derrière. Non mais, ça va se clôturer, les... Clôturer, ouais, bon. Les autres ont clôturé quand même. Non, mais regarde. Chômage, là, il... regarde les autres. Regardez. Non, mais tu veux. Les... Sinon, limite, regarde, elle, ça. Comment on fait ça? Limiter la partie. Comment ça marche? Ah, voilà. Comment j'ai fait? What? Comment ça marche? Je comprends rien. Ouais, mais si tu mets la priorité, du coup, ça va. Quoi ça? Réseau logique. Ah, ça me plaît. Non connecté, ça me plaît aussi. Tu peux prioriser en sortie à droite. Et du coup, effectivement, tu... Ça fait quoi, priorité? Oula. Ah, non, l'autre côté. Ouais, mais du coup, ça... Ouais. Prioriser sortie. À droite. Ouais. Ouais, ça sort plus, du coup. Ouais, ça sort plus du tout, ouais. Ouais, ça sort uniquement si ça... Ouais, tu peux pas dire 20% à gauche et... Alors qu'en mettant un bras rapide et un bras lent, tu vois, ça, on peut optimiser.